aujourd'hui une petite vidéo de présentation. C'est vrai que je fais des vidéos, mais je sors de nulle part et peu de personnes en savent sur moi. Donc voilà, donc, tout d'abord, mon prénom, mon vrai prénom, c'est Cindy. Donc j'ai 26 ans, j'habite dans le sud, là où il fait beau et chaud en général, mais là aujourd'hui il pleut, c'est super. Franchement j'adore hein, quand il pleut, bon, ça fait pas de mal non plus, les 30 degrés c'est pas pour tous les jours. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Déjà, au niveau de mes passions, comme vous avez dû vous en douter, j'aime le nail art. Ça, c'est une des passions préférées. Après, j'aime bien un peu tout ce qui est manuel. Donc, c'est vrai que j'aime beaucoup m'occuper. Les jeux vidéo. Là, je suis pas très compliquée. Donc, j'aime un peu tout. Donc, c'est vrai que c'est assez. Ce serait très long à tout décrire. Voilà. Donc, après, bon, ce qui est pour moi le plus important, ouais, effectivement, c'est de pouvoir faire mes vidéos et de pouvoir faire plaisir aux gens qui me suivent et qui me regardent. D'ailleurs, si tu viens tout juste d'arriver sur la page et que tu regardes les vidéos, abonne-toi, franchement, ça me ferait très plaisir. Je ne demande pas quoi que ce soit. Partage, mets un petit pouce pour me dire ce que tu en penses et des petits commentaires en plus. Ça fait toujours plaisir à avoir et ça aide toujours à avancer. Et voilà, après, au niveau des animaux, j'en ai deux, hein, deux chats. Un petit mâle et une grosse femelle. Voilà, donc vous les avez vus d'ailleurs. La grosse, vous l'avez vue sur pas mal de vidéos puisqu'elle a fait ses petites apparitions à certains moments. Et le petit, j'ai pas eu l'occasion encore de le montrer, étant donné que c'est une pile électrique, hein, franchement, faut le dire. Il est adorable, c'est vrai, il est beau comme tout, mais pour celles qui me suivent sur Instagram, elles ont dû voir des photos, parce que j'en avais mis quelques-unes juste avant de la voir. Donc, je pense que pour celles qui me suivent, c'est pareil. Hein, je le mettrai en barre d'infos et en dessous pour que vous puissiez me suivre également dessus. Et une personne m'avait posé la question. D'ailleurs, ça m'avait un peu pas étonnée, mais bon, c'était un peu logique aussi. Savoir s'il m'avait poussé à faire des vidéos. Donc, la simple et bonne raison, c'est que. Enfin, simple et bonne. Ouais. Si on peut dire. La raison qui m'a poussée à faire des vidéos sur YouTube par rapport à ça, déjà pour moi c'était une façon de sortir de la routine et de me libérer un peu par rapport à certains problèmes divers et personnels. Donc ça m'empêchait de penser à certaines choses et c'est vrai que ça fait plutôt du bien à faire. Et simplement aussi pour montrer un peu ce que je savais faire. Malgré que je ne sois pas une professionnelle, hein, comme je l'ai déjà dit. J'aime beaucoup ça, c'est vrai que j'ai découvert ça il y a quelques temps déjà. J'ai réussi à me perfectionner, on va dire, un peu en regardant des vidéos, en regardant des tutoriels et tout ce qui allait avec. C'est vrai que je suis énormément de personnes sur YouTube qui font justement ce genre de vidéos-là pour. Sur lesquels je prends pas modèle, mais que j'essaye de reproduire un petit peu. C'est vrai que franchement, c'est des personnes que j'admire énormément. Je vous mettrai d'ailleurs leur page dans la description. Excusez-moi, j'ai le nez qui me gratte. Donc, je vous mettrai les pages dans les barres de description. J'ai du mal. Et de là, voilà. Après, que vous dire de plus, je ne sais pas trop. À part que, je vous demanderai qu'une chose, c'est de m'excuser si à un certain moment, si pendant une ou deux semaines, il n'y a pas de vidéo, c'est que je n'ai pas pu les faire ou que je n'étais pas chez moi. Donc, en n'étant pas chez moi, c'est vrai que c'est assez compliqué pour faire les vidéos. Donc, mais j'essaierai toujours de me rattraper ou de me laisser un petit message sur Instagram
vous dire les prochaines vidéos qui pourront être faites. Si d'ailleurs vous avez des idées de vidéos ou des petits trucs comme ça à me donner, il n'y a aucun souci, je prendrai tout. Si c'est faisable, je le ferai. S'il y a des petits défis tout bêtes à faire, si je peux le faire, je le ferai aussi. Il n'y a vraiment aucun problème. Voilà, je suis un peu ouverte à tout par rapport à ça. Donc voilà, après, pour celles qui passent, ben, n'hésitez pas à vous abonner. Certaines petites surprises risqueraient d'arriver d'ici peu. J'espère que cela vous fera plaisir. Je sais plus. Ça, c'est pas bon. Alzheimer qui commence avant là. Voilà. Bon, je ne sais plus ce que je voulais vous dire, mais c'est pas grave. Ça reviendra plus tard quand j'aurai terminé la vidéo. Donc, sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye!